Hey! Donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit cookie. Donc le trou c'est ensuite pour l'accrocher, hein, vous inquiétez pas, mais comment réaliser ce cookie avec pas extrêmement de matériel, hein, faut vraiment pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez savoir comment on fait, bah c'est parti, regardez la suite. Donc pour les petits matériels, on aura besoin d'un mélange donc de champagne en professionnel et de caramel en soft. Donc moi je suis en train de mélanger et j'ai mis aussi un peu de noir, mais c'est vraiment pas obligé. Ensuite il faudra du chocolat, donc en fait j'avais fait un mélange, moi j'avais que du chocolat, j'avais fait un mélange, je déteste moins ça. Pour la texture il faudra soit une boule d'aluminium, soit une brosse à dents, ou les deux. Moi je vais utiliser la boule d'aluminium. Il faudra également des pinceaux pour faire les pastels secs, et il faudra un cure-dent. C'est parti. D'abord on va mélanger la pâte champagne avec la pâte caramel. Donc voici la couleur de pâte que ça nous donne. Donc j'ai pas précisé le rouleau parce que ben, voilà, c'est dans le mélange. Ensuite avec cette pâte vous allez venir faire une boulette. Vous allez venir la placer. Vous n'avez pas besoin du rouleau et il ne faut pas d'emporte-pièce parce que sinon ça ne sera pas au naturel. Pas grave s'il y a des bosses. Ensuite, à l'aide de votre texture, donc ce que vous voulez, vous allez venir texturer le coup. Donc voici la texture que ça a donné. Ensuite, vous allez venir prendre votre mélange. Vous allez venir faire un boudin très très fin. Il faut rendre très 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 fin. Ensuite, avec le cure-dent, donc, vous allez venir couper des petits bouts et venir les placer un petit peu partout. Il ne faut pas tous qu'ils soient de la même taille, de la même forme. Il faut qu'il y en ait un petit peu dans tous les sens. Ensuite, après avoir fini ça, vous allez revenir un petit peu texturé, mais moins que juste. Voilà. Ensuite, avec vos pastels secs, vous allez venir en mettre. Moi je vais venir prendre un petit peu d'orange, un petit peu de comme ça, un petit peu de comme ça, un petit peu de comme ça. Du coup je vais venir prendre un petit peu de jaune. Donc voici le cookie et du coup après vous pouvez un petit peu retexturer. Moi c'est ce que je vais faire, mais vraiment pas beaucoup, juste un petit peu sur les côtés et au milieu, et ensuite allez le mettre au four. Donc voici ma création une fois cuite. Donc j'ai bien laissé le trou pour arriver à l'accrocher ensuite. Donc voilà, j'aime bien comme ceci, il y a la texture etc. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas trop à mettre si j'aime la vidéo, à la commenter, à la partager, mais surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Et si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le demander, voilà, bye et un chaudo, bisous.